nitwa Nyiranizeye Imana Costasia ndubatse ndi umu mama wubatse mfite abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri ndi umuhinzi mpinga umuceri ubuzima bwanjye muri rusange njye mbona bunshimishije kubera ko twabonye igihingwa cy'umuceri kiduteza imbere mbona ibyo kurya nkagaburira abana ntaraza mu buhinzi bw'umuceri ubuzima bwanjye bwe bwifashe nabi kubera twahingaga utujumba utwumbati umudamu kubona igitenge cyari ikibazo ubwo rero ndumva muri rusange nabwira mbese nk'umuntu wese ushaka gukora kino gikorwa yagikorana umwete kuko nanjye ndagikora kikanteza imbere Au Rwanda, pays de 12 millions d'habitants, l'agriculture est un secteur clé de l'économie. Environ 70% de la population y travaille. Depuis 10 ans, l'État soutient l'agriculture. Un objectif, la moderniser et accroître les rendements afin d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. C'est dans cette optique que la Banque africaine de développement a financé un projet de développement des activités agricoles de la région de Bugesera. Ce soutien de 14 millions de dollars a permis dans un premier temps d'irriguer la vallée afin de faciliter la culture du riz et de maraîchage de saison par an. Ce projet PADAB, le projet d'appui au développement agricole de la région de Bugesera, venait appuyer la production agricole dans cette région qui était très aride, trop de famine, beaucoup de migrations des paysans. Alors pour pallier à ce problème, le projet est venu intensifier la production de quatre filières principalement. Il y a le riz, la banane, le maïs et le manioc. Le riz, c'est le plus important parce qu'il y avait beaucoup d'infrastructures à mettre en place. Dans ce marais, le marais des Rurambi, le projet a aménagé 850 hectares, dont 650 étaient pour le riz et 200 pour les légumes. Donc, on a mis en place des infrastructures d'irrigation, dont deux stations de pompage. Les bénéficiaires des terres dans ce marais, c'était des paysans sans terre, très pauvres. Alors, grâce aux terres qu'ils ont eues dans ce marais, ils ont pu cultiver le riz, ils ont eu des revenus, ils ont pu même acheter des terres là où ils habitaient pour diversifier les productions. Mbere muri rusange mbere ubuzima bwanjye nkubaka urugo nta kintu nari mfite kiretse inzu n'akantu gato twabagamo mu cyaro ariko maze kubona uyu murima w'umuceri mfite umutware tuzamo turakora twiteza imbere hashize imyaka itatu duhinga n'umuceri aragenda arapfa nsigara nkora nkiteje imbere ariko naguze ikibanza ku isantere nubaka inzu y'imiryango ine ubu niyo ntuyemo niyo ncururizamo narihiriye umwana imyuga ubuzima bwanjye uko bwari buri kera siko buri ubu La totalité du riz produit est commercialisée directement à Kigali, la capitale. Pour cela, il a fallu structurer la filière, trouver des acheteurs, encadrer les paysans pour les aider à intensifier la production. C'est pourquoi toutes les petites exploitations rizicoles ont été regroupées au sein d'une coopérative. Les effets ont été immédiats. Coopérative Korimari, tu m'as dit que tu as 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 dit que ikindi bakorera nuko mu guhinga ibaha inyongera musaruro harimo amafumbire harimo imiti harimo shitingi imifuka n'ibindi bituma umusaruro wiyongera donc bashaka kubona amafaranga gukora ibikorwa bitandukanye kubera banki nani cooperative ikindi nuko bashaka kubona amahugurwa atuma akora ubuhinzi bwe neza icyo gihe umusaruro ugenda uzamuka kuri ngo tugeze kubyo kuri toni zikaba kabisheshatu kuri hegitari La région de Bugesera a donc connu un essor rapide Mais ce n'est pas seulement grâce à la culture du riz. En effet, l'autre priorité du projet consiste à améliorer les cultures vivrières sur plus de 5000 hectares, tout en protégeant les bassins versants et en encadrant les agriculteurs. C'était un programme intégré. C'est pas seulement que le riz, la banane, le manioc, le maïs. Avec toutes ces filières, on a conçu aussi un marché pour les paysans, pour pouvoir vendre les récoltes.
la production de la région a nettement augmenté. Ça, c'est nettement visible. Et le niveau de vie a augmenté grâce à l'appui du projet. Ils payent tous la mutuelle de santé sans difficulté. Et les enfants vont à l'école. On voit vraiment qu'ils sont fiers de vivre dans cette région. Alors qu'avant, l'idée en tête, c'était de migrer vers d'autres régions. Mais par contre, il y a même des paysans qui quittent d'autres régions pour venir ici. Donc c'est une fierté quand on arrive dans cette région. Vraiment. Avec ce projet, la Banque africaine de développement appuie le Rwanda pour relever un défi de taille. Nourrir une des populations les plus denses du continent et améliorer leurs conditions de vie.